hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, hein, mars 2024, ça peut parler aux Vierges dès à présent, à certains d'entre vous dès à présent, à d'autres un peu plus tard au mois de mars, voire au début du mois d'avril. Le temps n'est pas arrêté avec les énergies, hein, donc ça circule, c'est fluide, ça bouge en fonction de comment vous bougez. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être faire des recoupements qui vous donneront une vue d'ensemble plus précise. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Vierges de la même façon. Prenez bien ces informations avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est là pour se détendre, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Donc, on prend juste les informations qui vibrent avec ce qu'on vit, les conseils qui nous intéressent et tout le reste, on s'en fout. On n'est pas là pour se prendre trop au sérieux. Voilà les amis, on va pouvoir commencer avec le tirage de votre mois de mars 2024. L'énergie qui vous accompagne, nous avons l'étoile qui apparaît à l'endroit. Et avec l'oracle du soleil, nous avons Jupiter et le taureau. Alors ici, on voit avec l'étoile hein, que vous êtes accompagné, hein, que vous avez le sentiment en tout cas d'être accompagné par les forces divines, puisque ça nous parle des dons de la destinée ici, ça nous parle de quelque chose qui est tout à fait naturel, qui vous guide, hein, qui est une nouvelle orientation, qui concrétise vos espoirs d'une certaine manière. Quelque chose peut-être que vous avez espéré, un de vos objectifs est en train de, entre guillemets, de se présenter d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous voyez juste les prémices hein, pour l'instant, mais en tout cas, vous êtes soutenu, aidé, protégé par les forces divines qui peuvent envoyer des personnes, entre guillemets, vous accompagner, vous soutenir, vous aider. Ici, il y a avec l'étoile un sentiment de délicatesse, un sentiment délicat de tendresse que l'on peut ressentir ou d'amour pour vous. Hein. On se sent briller quelque part d'une certaine manière et on se sent à sa juste place, à l'endroit où on doit précisément être. Avec cette énergie du Jupiter et du Taureau, on voit une certaine forme d'amour pour les belles choses, pour les belles compétences, puisque le Taureau va nous parler de ce que vous possédez, des compétences que vous possédez en vous, hein, qui vous permettent de faire le beau, d'offrir de l'amour, de faire de l'argent, etc., etc. Jupiter nous parle de chance ici, hein. La chance sur ce que vous possédez, donc peut-être une sorte de valorisation, de mise en avant, d'amélioration de qui vous êtes et de vos compétences. Peut-être qu'on vous met en avant ou on vous propose des choses qui correspondent davantage à ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous aimez, une certaine forme de valorisation, j'ai envie de dire, avec l'étoile et le statut ici. On peut en tout cas, avoir utilisé autrement ce que l'on possède, donc utiliser d'une façon plus évoluée. Le Jupiter est la croissance, représente le gain, la croissance. Hein. Ici, on peut être valorisé d'une manière ou d'une autre par rapport à son statut, peut-être professionnel, puisqu'on parle de l'argent avec le taureau ici, de votre manière de gagner de l'argent, qui pourrait s'accroître et s'améliorer. Surtout que Jupiter est actuellement dans le secteur du taureau. Donc voilà, donc c'est exactement cette énergie-là. Et peut-être que vous ressentez quelques prémices de quelque chose ici. Alors, en dos de deck, nous avons un protecteur, lui aussi, le pape, hein, qui peut être un ami, un expert, quelqu'un qui vous regarde, qui vous accompagne, qui vous sacre, qui vous offre quelque chose. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous était prédestiné, qui vous est offert ici. Hein. Ok, bon, on continue avec l'oracle du soleil levant. On va essayer d'en savoir un peu plus. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également toutes les références des tarots que j'utilise, hein, comme d'habitude, dans la barre d'infos, notamment l'oracle que j'ai créé. Vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation que j'ai faite.
Et je vous mets un lien pour l'acquérir si ça vous intéresse. On y va, les amis vierges. Alors, je n'ai pas encore posé mon intention. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges en mars 2024 avec l'étoile? Avec l'étoile et le statut. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie des vierges avec l'étoile et le statut ici? Les évaporer. Alors ici, on avait l'impression de tourner en rond quelque part. Alors, dans le domaine où vous sentez cette énergie, c'est-à-dire le fait de tourner en rond, que vous ne voyez aucune issue, que quelque chose était comme un cercle vicieux, alors puisque voilà, ça provoque ceci, ça provoque cela, et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond. On avait juste envie de fuir quelque part ces tourbillons dans lesquels on était emmené. Hein. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de cette main qui vous est offerte du destin, la main du divin ici, qui vous propose de peut-être une issue finalement à ce tourbillon. Le sentiment de vous offrir une chance quelque part pour vous sortir de quelque chose dans lequel vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas la fin, peut-être qui a duré extrêmement longtemps et qui peut, d'une certaine manière, réaliser vos rêves avec le Daluma, parce que c'est un vœu qui a été fait ici et sur lequel le divin porte une attention toute particulière. On va regarder quel sera votre principal défi, les amis vierges, pendant ce mois de mars. J'espère que je n'ai pas dit taureau, je ne sais pas pourquoi, comme j'ai fait le taureau juste avant, je me demande si je n'ai pas dit taureau. C'est bien les vierges. Hein. Alors, quel défi vous attend les amis vierges en mars 2024? Le défi. L'empereur. Alors, on parlait de statut ici, et ici on parle d'envergure. L'empereur, celui qui a le leadership, celui qui convainc, celui qui est dans la conquête, celui qui gère parfaitement les choses. Si on parle de quelque chose de professionnel, on pourrait parler d'une promotion, de quelque chose qui vous sécurise, qui vous met dans une situation où vous serez peut-être plus haut placé, par exemple, une fonction mieux rémunérée ou qui vous assure plus de responsabilité, où on vous demandera d'assumer plus de responsabilité, parce que finalement, ici et ici, on nous parle de quelqu'un qui a des capacités qui peuvent être enfin reconnues après un long tourbillon, on ne voyait pas le fin, peut-être des échecs répétitifs pour certains, l'impression vraiment qu'on ne nous voyait peut-être même pas, qu'on était presque invisible, hein. Et ici, il peut y avoir ce côté magique, encore qu'on retrouve avec la princesse, la prêtresse Miko. Ok, alors, on va déployer un peu le jeu avec le tarot mystique. Je vais d'abord tirer les cartes et on les retournera au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des vierges en mars 2024? Alors, celle-là, elle s'est retournée direct, donc on la laisse comme ça. Quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les vierges en mars 2024? Quelle énergie va vous aider particulièrement ici? Quelle énergie pourrait au contraire vous ralentir, les amis vierges? Quelle énergie pourrait vous ralentir là? Quelle énergie va accompagner votre vie émotionnelle? Comment vous allez ressentir les choses avec le cœur? Oh, ça glisse. Comment vous allez ressentir les choses avec le cœur, les amis vierges? Alors peut-être dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, les vibrations de votre cœur. Ici, de façon plus concrète, dans votre positionnement, vos actes, dans la vie matérielle, professionnelle, quelle énergie retrouve-t-on là? Et dans votre intériorité, votre spiritualité, votre chemin de vie, parcours de vie, vous en êtes où? Comment vous vous sentez à l'intérieur? Voilà. L'énergie qui est en dos de deck, le fou. On se lance, on sort de sa zone de routine, dans sa zone de confort. On va pouvoir enfin expérimenter de nouvelles aventures, de nouveaux voyages, quelque chose de neuf. C'est le passage d'un cycle vers un autre cycle, hein, le fou ici. Hein. On va pouvoir
faire preuve d'audace, être un peu dans le risque, aller oser chercher quelque chose, sortir des sentiers battus et peut-être donc se libérer finalement de cette situation qui tournait en rond et qui ne vous apportait finalement pas beaucoup de considération, j'ai l'impression. Là, le fou hein, et le magicien, on a vraiment un nouveau départ, de nouvelles ambitions, quelque chose qui répond davantage à vos vibrations et à vos prétentions quelque part. Ok, ça va vous demander du travail, de la persévérance, de la maîtrise, mais ça peut être tout à fait quelque chose pour certains d'entre vous qui ressemble à une promotion ou un poste intéressant. Ici, justement, concrètement, on a le 3 de bâton. Donc, ça peut être une communication avec les 3 de bâton qui vous permettent de visualiser l'avenir. Hein. Une sorte, quelque chose qui fait avancer vos projets, qui fait avancer votre avenir. Donc, qui répond peut-être d'une certaine manière à un commencement de quelque chose en lien avec vos ambitions, vos passions, quelque chose qui réveille votre attention à regarder votre futur quelque part. Ça peut passer par le biais d'une communication, voilà, qui parle d'ambition, qui parle de ce qui fait vibrer, de comment on avance dans la vie. Alors, j'ai vu la justice qui peut représenter peut-être même un contrat hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 3 de bâton pour les vierges? La reine de bâton, donc on est encore dans le mouvement, dans l'action, dans le fait d'aller de l'avant. Hein. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle attire ce qu'elle veut. Donc, peut-être que vous aviez certains désirs, comme je le disais, d'atteindre certains objectifs et que vous avez peut-être la possibilité d'être particulièrement, entre guillemets, attractif ou envoûtant et d'obtenir ce que vous voulez, hein, quelque part. J'en rajoute une, allez. Le 8 de denier, ça parle bien du travail, de la vie professionnelle, de quelque chose qui se métamorphose, entre guillemets. Hein, avec le 8, c'est toujours quelque chose qui se bouscule, qui demande une intervention concrète, rapide, hein, donc, et qui nous parle du travail par rapport à la fin peut-être d'un cycle ou l'apothéose d'un cycle. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 9 de bâton, ne rien lâcher, ne pas lâcher l'affaire hein, jusqu'au bout. Ici, vous n'êtes plus très très loin de l'arrivée. Il est bel et bien question de mouvement encore une fois. Vous n'êtes pas loin du compte. Il reste à mener la dernière bataille. Et là, c'est ça qui vous aide, c'est d'être persévérant et d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez plus d'autre choix que d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton qui peut vous aider? Le 5 de denier. Une issue de secours, hein, parce que le 5 de denier, c'est vraiment quand on a l'impression qu'il n'y a aucune réponse, qu'il n'y a plus de solution, qu'on a presque envie d'abandonner, qu'on se sent presque incapable. Et ici, en positif, c'est de sortir de cette sensation et au contraire, d'avoir le sentiment de trouver une porte de secours qui va nous sortir. Il y a toujours une solution à tous les problèmes et c'est exactement ce que veut dire cette carte dans cette position. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le valet d'épée, de ne pas être curieux notamment, de ne pas avoir envie d'apprendre, de ne pas être dans l'expérimentation, de ne pas être ouvert d'esprit aussi peut-être. Hein. Le valet d'épée, c'est celui qui est un peu débutant et qui a encore les mots faiblards. Donc faites attention aussi à votre vocabulaire peut-être par rapport à ce qui se passe notamment. De ne pas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous pensez, par exemple. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? C'est aussi peut-être de quelqu'un qui manque un peu de discernement aussi, hein, qui ne voit pas bien le côté positif des choses, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée qui pourrait vous freiner? L'ermite, la maturité. Donc ici, on parle de maturité et ce serait dommage de manquer de maturité, de manquer de discernement. Et ici, justement, on a quelqu'un qui croit peut-être tout savoir, entre guillemets, et qui,
et qui se comporte comme quelqu'un qui réfléchit peut-être pas longtemps. Donc ici, on a, c'est un peu réfléchir trop longtemps et ne pas réfléchir assez. Il y a une sorte de dosage à trouver, justement, et quelque chose qui vous ralentit ici. Ne soyez pas trop enfant et ne soyez pas trop vieux dans l'attitude que vous aurez par rapport à ce qui se passe. Hein. Alors ici, dans le domaine émotionnel, le 7 de denier, on défend des intérêts, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une petite graine qui prend dans une relation, dans un partenariat, dans quelque chose ici, on commence à avoir les premiers fruits, entre guillemets, de notre récolte. Et donc, ça paye un peu, c'est quelque chose qui est lié à la persévérance, quelque chose qu'on a fait sur le long terme avec le cœur, est en train d'être récompensé, notre engagement peut-être dans une cause ou dans des relations, dans des partenariats peuvent être payantes aujourd'hui. Par une certaine forme de fidélité, moi j'entends ici. Vous avez été fidèle à quelqu'un, vous avez été fidèle à quelque chose et ça vous permet aujourd'hui d'avoir une sorte de retour. Alors qu'est-ce qu'on a dans le domaine du cœur avec le 7 de denier ? L'as de denier, le retour, l'opportunité dont je parlais. Hein. Donc, il y a la naissance d'une opportunité parce que vous avez fait petit à petit, depuis quelques temps, de quelques mois, quelques années, vous avez jardiné, vous avez préparé le terrain, vous avez fait tout pour que ce pommier, du moins je crois que c'est un pommier, oui, pommier, pour que ce pommier soit le plus généreux possible. Et ici, l'opportunité vient justement de votre rapport à l'autre, hein, comme un rapport de confiance dans un partenariat. Et il y a quelque chose de très ancré et très sérieux. C'est un partenariat qui est basé sur des actes, sur des faits concrets, peut-être professionnels pour certains, hein, ou financiers. Dans le domaine professionnel financier, justement, les amoureux, un choix qui se propose ici, quelque chose qui correspond probablement à quelque chose que vous attendez, que vous avez espéré. En tout cas, c'est un choix du cœur avec les amoureux. Il peut y avoir des discussions pour multiplier quelque chose. Alors, multiplier vos tâches, multiplier votre salaire, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est un choix. Alors, je ne pense pas qu'on vous l'impose, mais je pense que c'est un choix que vous devez faire en votre âme et conscience. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux dans le domaine professionnel, concret, financier ? Le 9 d'épée. Il y a quand même une sorte de réflexion poussée sur ce choix à faire. Hein. Il y a une certaine forme d'hésitation, probablement. On réfléchit et on doit se raccorder un peu à cette énergie. J'ai l'impression de se dire, bon, ben, il n'y a pas 50 000 occasions de sortir de ce trou, de sortir de ce tourbillon. Donc peut-être que ça vaut quand même le tout d'y réfléchir s'il y a un moyen d'en sortir. Le 9 d'épée vous invite à restructurer votre pensée, à réfléchir peut-être autrement, à trouver de nouvelles idées, à être très foisonnant avec votre cerveau. Hein. Pour terminer, dans l'aspect spirituel et psychologique intérieur, vous avez le cavalier d'épée. Vous êtes en quête, finalement, de liberté, en quête d'enseignement. Vous avez envie de... Comment dire ? Vous avez compris certaines choses de la vie, quelque part. Vous avez compris que votre liberté avait un prix, que votre éducation, votre enseignement ont aussi une influence dans votre vie, hein, quelque part. Et le cavalier d'épée, il est en quête d'éclaircissement, de vérité. Il veut être le plus en phase avec son authenticité. Il recherche son authenticité. Il recherche à savoir qui il est vraiment pour avoir un métier en adéquation avec qui il est, pour avoir des amours, des amitiés en adéquation avec qui il est. Et vous cherchez ça ici, une quête de maturité aussi, hein, quelque part. Et nous avons le 7 de bâton qu'on retrouve ici. Non, on ne l'avait pas. Il me semblait pourtant. Bon, le 7 de bâton qui nous parle de valeur, de...
comment dire, de défendre ses intérêts, ses valeurs personnelles, d'être persévérant pour justement aller dans le sens de ce que l'on ressent, s'éloigner de tout ce qui n'est pas de nos valeurs, qui n'est pas dans nos principes, qui ne correspond pas à ce que à la personne que l'on est. Donc je parlais d'une recherche d'authenticité. Ici, il y a une certaine forme de gratification à savoir ce que l'on veut, à connaître ses principes, ses valeurs, et à trouver exactement ce qui correspond à tout ça, à nos valeurs et nos principes. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. D'une part, moi, ça m'aide à avoir d'autres lectures de mon tirage, mais les autres vierges qui pourront lire votre commentaire pourront s'en inspirer d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait toujours être intéressant, cet échange. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ben, c'est pas grave, vous mettez juste un petit émoticône, un petit coucou, un petit like, les trois à la fois, et c'est déjà une très bonne méthode pour montrer que nous ne sommes pas des robots, que nous existons, que nous nous saluons, que nous disions bonjour, au revoir, belle journée, ou je ne sais quoi. On se retrouve en tout cas très très vite pour une nouvelle guidance, pour découvrir quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.